Bonjour chers investisseurs et partenaires Solar Group. Vous avez sans doute vu et entendu l'appel de Dmitri Duyunov au sujet de la situation d'augmentation des prix des matériaux pour la construction du bureau d'études et d'ingénierie. En tant que partenaire national de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Pénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso, je souhaite ici vous adresser un message solennel de soutien à ce projet commun qui est celui de la réussite du projet des moteurs du UNOF que nous menons à présent depuis 3 ans, moi et mes équipes, dans les divers pays cités à l'instant. Sans oublier les autres pays non encore ouverts, mais dont les participants sont de jour en jour plus nombreux. Si vous n'avez pas bien compris le message que vous adresse Dmitri du UNOF, je souhaite par cette vidéo apporter mon soutien à son appel. Il se trouve qu'en 2017, 2018 et 2019, lors de l'élaboration des plans de construction du bureau d'études, des calculs avaient été faits pour prendre en compte les coûts des matériaux et une augmentation raisonnable des tarifs. Cependant, coronavirus est passé par là et à présent, les matériaux de construction subissent une flambée des prix. Par exemple, rien que le sable qui est utilisé par milliers de mètres cubes pour remblayer la fosse des fondations a triplé de prix. Et ce n'est là qu'un petit exemple. Par conséquent, nous lançons un appel à tous les anciens investisseurs, à tous les retardataires qui ont des packs annulés pour cause de négligence des paiements à la date, à tous les partenaires qui aujourd'hui ne parrainent pas ou qui parrainent au compte-gouttes, de renouveler d'activité, c'est-à-dire de reprendre des packs, de payer à temps, soit de rembourser les dettes qui ont été émises, ou même de payer à l'avance, cela rapporte d'ailleurs des parts bonus. Ou encore à tous les nouveaux qui n'ont pas encore saisi les avantages d'investir dans ce projet, de faire un effort afin que Sovelmash ne soit pas obligé de faire appel à un prêt bancaire pour combler la différence de cette augmentation des tarifs de la construction. Cela reste possible, sans altérer les perspectives de gain des investisseurs, mais cela pourrait avoir des conséquences sur le montant des retours attendus à l'avenir. Vous l'avez entendu, Dmitri Duyunov souhaiterait utiliser cette solution de prêt bancaire en tout dernier recours. Alors, chers partenaires et investisseurs, mobilisez vos forces pour que nos projets restent sur les rails sans ralentissement, car c'est de cela qu'il s'agit. Je compte beaucoup sur vous pour réagir vite et en conséquence de l'urgence à récolter un maximum de fonds avec Solar Group. Merci.